Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Mais Encore. On va regarder aujourd'hui un cas particulier. C'est des photos qui sont sur disque et qui sont pas dans le catalogue et vous voulez effacer ces photos. Alors, comment on peut avoir des photos sur disque qui ne sont pas dans le catalogue ben, C'est simple, vous avez importé des photos, puis vous avez fait votre tri, vous les avez effacées et simplement lorsqu'on efface, on a deux options. Soit on retire du catalogue et la photo reste sur disque c'est l'option par défaut. C'est le bouton qui est par défaut dans la fenêtre. Soit vous supprimez aussi sur disque. Alors donc, on peut retirer uniquement du catalogue, bah soit parce qu'on ne fait pas attention et qu'on appuie sur le bouton euh, retirer du catalogue, soit on le fait euh, sciemment en disant je vais garder mes photos sur disque en attendant au cas où je suis obligé de revenir dessus, je sais qu'elles sont là, bon, bref. Et puis un jour, vous faites un peu de ménage, puis vous dites Je ne comprends pas, euh, j'ai 1000 photos dans mon catalogue, j'ai 1500 fichiers sur le disque, euh, j'aimerais effacer les 500 qui euh, n'ont rien à y faire, puisque je ne les utilise pas dans mon catalogue. Et on va regarder donc ce, ce cas-là et on va regarder comment le faire simplement, et en fait, on va le faire à l'intérieur de Lightroom directement. Vous allez comprendre le, le concept assez rapidement. Donc là, j'ai fait un petit catalogue de tests, 176 photos. Alors attention, ce chiffre-là, c'est les photos plus les copies virtuelles. Hein. Donc si vous effacez une photo, ça peut effacer deux choses ici. Donc ça, très bien, je, je prends des photos hasard, je vais appuyer sur. Je vais appuyer sur euh, contrôle en bougeant celle-là, celle-là. Et puis je vais prendre celle-là, puis celle-là. Tiens, c'est une copie virtuelle d'ailleurs. Puis je vais prendre celle-là, euh, puis celle-là. Et puis je vais prendre celle-là ici. Et puis je vais aller en prendre d'autres ici. Une photo d'Alysée là. Reda ici. Fanny par là. Très bien. Et j'appuie sur Supre. il me dit, est-ce que vous voulez supprimer 11, photo, 11 photos du catalogue de Lightroom Donc là, j'ai deux options supprimer du disque ou retirer de Lightroom et là je vais faire retirer de Lightroom. OK Donc là, il y a 11 photos qui ont disparu du catalogue, donc leur photo et la copie virtuelle si on en avait une et puis euh, ces photos sont toujours sur le disque. Et l'idée, c'est comment euh, bah les effacer. Alors, on va aller vérifier ce que je viens de dire, qu'elles sont toujours sur le disque. Euh, j'ai mémorisé que j'ai euh, ici supprimé une photo euh, d'Alizé. Donc, je vais ici faire un clic droit. Je vais faire atteindre le dossier de la bibliothèque. Donc, là, j'ai un dossier avec deux photos dedans. D'accord Maintenant, si je fais afficher dans l'explorateur, et dans l'explorateur, vous voyez que j'ai trois photos. D'accord donc, j'ai ces de là, mais il y a la troisième aussi que j'ai effacée. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment retrouver toutes ces photos que j'ai effacées. Je vous rappelle, il y en avait 11. Ben, en fait, on va utiliser, je ferme ça, on va utiliser Lightroom pour le faire. Comment on va faire C'est qu'on va importer à nouveau les photos. Toutes les photos qui sont dans le catalogue, il ne va pas les importer, puisque autrement, ça serait des doublons. Et comme on coche généralement ne pas importer les doublons, il ne va pas les importer. Mais toutes les photos, elles, qui ne sont pas dans le catalogue. D'accord Pour lui, c'est des nouvelles photos. Donc, en fait, il va considérer que c'est des nouvelles photos. On va pouvoir les importer à l'intérieur de Lightroom. Il va falloir importer dans le mode ajouté. Je vais vous expliquer ça après. Et ensuite, on va pouvoir les effacer. Donc, on va dans Lightroom. On fait simplement un fichier. Euh, importer des photos et des vidéos. On se met à l'endroit où on a notre catalogue. Donc, moi, c'est dans F, Formation. Effacement, mes photos se trouvent en 2020, 2021. J'ai éparpillé un peu pour que ça soit, euh, ça soit un peu plus parlant. Donc vous allez dans le répertoire euh, par an, d'accord là où il y a toutes les photos. Puis vous, ici, vous avez la possibilité d'inclure ou pas les sous-dossiers, mais ben vous allez inclure les sous-dossiers. Et là, vous voyez qui vous fait apparaître les photos. Donc toutes les photos qui sont déjà dans le catalogue sont grisées. Alors on, peut, on peut filtrer par heure de capture, état vérifier, ce que vous voulez, c'est pas bien pas bien grave, d'accord. Et toutes les photos qu'on a effacées, bah pour lui c'est des nouvelles photos. Donc on va simplement euh, bah les réimporter à l'intérieur de Lightroom. Alors on va faire attention d'utiliser le mode ajouter. Pourquoi Si vous faites copier, vous allez faire quoi Vous allez copier la photo ailleurs. Et donc ensuite lorsque vous allez l'effacer, vous allez l'effacer ailleurs pas à l'endroit où elle était, donc ça ne va pas, d'accord Donc il va bien falloir ici mettre « Ajouter uniquement ». En plus, l'avantage, c'est que ça ne prendra euh, pas beaucoup de place, ça va juste vous rajouter quelques photos à l'intérieur du catalogue momentanément. Comment on va se souvenir que c'est ces 10 photos-là qu'il faut effacer ben On va simplement, par exemple, l'ajouter à une collection, d'accord Puis là, j'ai une collection qui s'appelle « à effacer », c'est une collection que j'ai créée pour ça, je peux en créer une autre si vous voulez. Hein. Je vais faire euh, effacement. Voilà, on va l'appeler effacement. Très bien, créé. Donc, je vais mettre tout ça dans la collection effacement. Éventuellement, ce n'est pas nécessaire parce que euh, vous avez une collection qui s'appelle Dernière photo importée. Mais bon, on va faire ça pour sécuriser, euh, sécuriser le concept. Et là, je vais faire simplement importer. Voilà, j'importe. Et m'importe les 10 photos que j'avais effacées, elles sont à nouveau dans le catalogue. D'accord, et si je vais ici au niveau des collections, j'en ai 175. Pourquoi j'en ai pas 176 Parce que une des photos que j'avais effacées, il y avait une copie virtuelle. Donc la copie virtuelle quand j'ai supprimé du catalogue, elle disparaît. Et quand je réimporte la photo, il ne faut pas rêver, il va pas recréer la copie virtuelle. Donc là, il m'a euh, mis les photos. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est bien le message que j'avais où il y avait marqué euh, voulez-vous supprimer 11 photos. Donc, elles sont là. Elles sont où Elles sont également dans la collection. Alors, je vais aller d'abord dans toutes les photos pour revenir ici dans toutes les photos. Puis, imaginons que vous fassiez une nouvelle importation, je ne sais pas pourquoi, donc importation précédente là, ça ne sera plus valable. Mais heureusement, j'ai créé donc ma collection effacement ici, où j'ai mes 11 photos à l'intérieur. Et là, ce que vous allez faire, ben c'est simple, vous allez sélectionner les 11 photos, d'accord Et vous allez me dire, on va appuyer sur Supre. Allez, allons-y, Supre ah, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce que là, vous venez de supprimer les photos de la collection. D'accord Vous ne venez pas de les, de les supprimer du catalogue. Donc, on va faire CTRL Z pour qu'elles reviennent. Et là, il va falloir les marquer pour effacement. Donc, marquer pour effacement, vous appuyez soit sur X, soit vous allez dans Photos définir le marqueur et vous allez faire rejeter. On va rejeter ces photos-là. Donc, ça, je sais que ces photos-là sont rejetées. Maintenant, si je veux les supprimer, j'ai Photos »,« supprimer les photos rejetées. Alors, on peut le faire, mais en fait, comme je suis dans une collection, il va vous mettre un message par rapport à la collection. Et il vous dit est-ce que vous voulez supprimer les photos de la collection active Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux les supprimer, moi, de, de, de Lightroom, du catalogue et du disque. Donc, en fait, vous allez retourner, par exemple, sur toutes les photos. D'accord Là, vous allez faire photo, supprimer les photos rejetées. Et il va vous dire, voulez-vous supprimer les 11 photos de Lightroom Et là, vous n'allez pas faire retirer Lightroom, c'est ce que vous aviez fait avant, vous allez faire supprimer du disque. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je les ai supprimés du disque. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille vérifier ben, que vraiment, ça est supprimé. Donc on va retourner là où il y avait euh, Alizé, voilà, ici. Et là, je vais faire, euh, souvenez-vous, on va refaire atteindre le dossier de la bibliothèque, il y avait deux photos là. D'accord eh Je vais reprendre là et je vais faire afficher dans l'explorateur. Et dans l'explorateur, là où j'avais trois photos, j'en ai plus que deux. Donc j'ai bien effacé les photos qui n'étaient pas dans le catalogue, mais qui étaient sur disque. Donc un petit rappel, lorsque vous effacez des photos, deux options, soit vous on va, on va d'ailleurs, lorsque vous effacez une photo, deux options, retirer de Lightroom ça la retire du catalogue, mais elle reste, que, reste sur disque. Ou supprimer du disque, ça la retire du catalogue et ça la supprime aussi du disque. Si vous faites retirer Lightroom pour ensuite aller effacer les photos et les retrouver, vous réimportez en partant du répertoire euh, parent de là où il y a toutes les photos, vous faites inclure les sous-dossiers. Toutes les photos qui ne sont pas dans le catalogue vont apparaître comme bonnes à l'importation. Vous les importez dans une collection. Vous allez dans cette collection, vous sélectionnez toutes les photos de cette collection, vous rejetez toutes les photos de cette collection, et ensuite vous allez dans la collection ici, toutes les photos, et vous allez supprimer les photos rejetées ici, photos, supprimer les photos rejetées. Et comme ça, vous aurez utilisé Lightroom pour trouver les photos. Et vous aurez utilisé Lightroom finalement pour les supprimer du disque, puisque ce coup-ci, vous utiliserez l'option supprimer du disque. Voilà, ben j'espère que ça vous a servi. C'est une question qu'on m'avait posée euh, sur le groupe euh, Wii Photo, Lightroom, Photoshop, le groupe Facebook. Donc si vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire, vous, vous aurez plein d'infos euh, là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.